C'est tout de suite et c'est sur Saint-Eliab. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui n'est pas facile, qui est « J'aime un homme marié, quoi faire ?» Aimer un homme attaché à une autre femme, c'est toujours douloureux. Même si les instants de joie ont l'intensité de l'interdit. Au début, tout paraît ludique, dans les bras d'un homme qui, on croit, ne nous veut que du bien. Et plus l'histoire est interdite, et plus on se sent du côté de l'amour. Hors cadre, hors norme, hors la loi. Et plus on sent la souffrance de ces empêchements. Pour certaines, c'est le calvaire d'une vie condamnée au secret, au regret ou au sacrifice. Pour d'autres, par contre, c'est une façon de ne pas s'encombrer du quotidien et de n'avoir que le bon côté de l'amour. Même si l'autre femme, on n'y pense pas trop, elle est toujours présente. Il y a toujours quelque chose qui se joue contre elle, avec elle ou par rapport à elle. Car, quoi qu'on se dise, il est attaché à cette dernière. Le plus douloureux, c'est l'espoir autour de laquelle s'organise cette relation afin de pouvoir tout supporter. Or, cet espoir nous empêche de vivre notre instant présent, nous empêche de décider de son aujourd'hui et de s'affirmer dans ses choix. La question à se poser est de savoir, va-t-il quitter sa femme? La première chose à faire est de ne pas avoir trop d'illusions. Il est facile de penser qu'il va quitter sa femme pour nous et qu'on est mieux ou qu'on le rend plus heureux. Malheureusement, la réalité est bien loin et il y a très peu de chances de devenir sa femme car rares sont les hommes qui quittent leur épouse pour se mettre avec leur maîtresse. Certains hommes aiment cette situation puisqu'ils sont heureux en trompant leur femme mais en la gardant tout de même. Sortez plutôt de ces genres de relations toxiques, sans lendemain, en ne perdant pas votre temps avec un homme qui a déjà fait un choix et cherchez-en un qui vous choisira vous en premier. Voilà pour la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser des commentaires pour me donner votre avis, de vous abonner à ma chaîne et surtout d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt sur Saint-Eliab. Vos choix, votre vie.